Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3. On est toujours dans les égouts, on veut toujours aller au Xir Orin. Malheureusement, on a toujours ce problème d'enlèvement, mais j'ai peut-être trouvé une solution. Bah, pas une solution parfaite, une solution alternative. On va voir ce qu'il en est dans l'épisode du jour. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Alors, pour en revenir à nos affaires, pour aller au Xir Orin, on a besoin d'aller dans la cité des Tréfonds. Sauf que, quoi qu'on fasse, un enlèvement a lieu. Donc, la première personne à s'être fait enlever, c'était Lazelle. Je me suis dit, bah dans ce cas-là, je vais la prendre dans mon groupe. Derrière, c'est Gail qui s'est fait enlever. Bah, je me suis dit, bah, je vais le prendre dans mon groupe aussi. Ensuite, c'est Alcine qui s'est fait enlever. Donc, je me suis dit, bah, je vais le prendre dans mon groupe. Et là, il se trouve que c'est la petite Yena qui se fait enlever. Donc, pas un compagnon à part entière, mais un personnage. Donc, j'ai tenté diverses combinaisons. C'est toujours Lazelle, Gail ou Alcine qui se font enlever. Donc, normalement, alors c'est pas idéal parce que j'aurais préféré trouver une manière de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enlèvement tout court, mais apparemment on peut pas y couper. Donc on va essayer, on va avancer jusqu'à que l'enlèvement ait lieu. Donc c'est la petite Yena qui se fera enlever. On reprendra notre groupe par défaut et on essaiera d'aller la sauver. Voilà. Ça, c'est les plans pour aujourd'hui. Et voilà, Yena qui arrive. Tout va bien, tu ne risques plus rien. Il ne t'arrivera rien, j'y veillerai, promis. Silly, silly. Making promises you can't keep. C'est ce que t'as pas compris, Orin. Je suis un paladin serment de vengeance. Quand je promets quelque chose, je m'y tiens. Crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Orin will take care of you and your little pet. Enlever un enfant, tu es un animal sans défense, vous êtes une créature ignoble. Vous allez me le payer, tout simplement. Do you drown in despair already? Oh, but there's so much more to do. Non, j'ai pas envie de discuter avec toi. Au fait, j'ai buté ton grand-père aussi, hein. From the mud I caught sniffing at your heels, drag skin from flesh, from bone. I will not slice. Her kind die too easily. The murder lord demands a better offering, something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. Comme beaucoup d'autres, je regrette, il va devoir attendre son tour. The murder lord does not need permission to kill. You are dull. A blunt blade unfit to flay. But you could be sharpened, thin and jagged. Yes, I will tell you what to do. Mon tranchant n'a rien à envier au vôtre et vous êtes sur le point d'en faire l'amère expérience. No, no, not here, not now. The tyrant must fall first. Voilà, elle veut tuer Gortash d'abord. Mais ça on connaît déjà, hein. Ouais, elle peut pas le tuer elle-même parce qu'il y a un pacte. Orin demande un fight to the death.
The prize for the victor, the Netherstones. Accept and you must kill Gortash. Refuse and the child's life may be forfeit. As might your own. Gortash peut attendre, c'est vous que je tuerai en premier. Or his assassins will hunt you like prey for slaughter. Oh, silly, silly little slaughter. The murder lord will not be... Ok. Alors, sauver la victime d'Orin. Retrouver la victime à l'intérieur du temple de Baal. Donc ça, c'est faisable. Faudrait qu'on retourne au QG. Oh, on fera ça après. Hein. Pour le moment, on va vouloir avancer. On va vouloir avancer, mais avant d'avancer, on va reprendre notre groupe de base. D'ailleurs, je vais m'en occuper, on se retrouve juste après. Ok, alors là, on est de retour avec notre équipe complète habituelle. On va faire une petite sauvegarde et puis on va commencer à avancer dans la cité des Tréfonds. Point de passage, ok. Alors, une porte ici, une caisse ici. A rush of ancient whispers fills your mind as you approach the door. It is rife with magic. Old, deathly magic. A new vessel brimming with blood darkens Baal's door. To baptize his dais most holy. Do you have proof of your faith to our lord? Je possède une amulette de Baal. Laisse-moi rentrer. You hold proof of faith, but to hold and deserve are different. How have you proven yourself in the dread lord's eyes? J'ai massacré le tribunal du meurtre. Unorthodox. But a show of faith nonetheless. Walk in blood. D'accord. Par contre, du coup, là de l'autre côté. Ah, Bareki. Bareki, mais c'est le pote de l'espèce de taré qu'on a vu là avec ses cousins golems de Grèce. On va aller lui parler. Il y aura peut-être un truc à faire après. The penitent looks at you silently, expectantly. There is the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Oh! Qu'est-ce que t'as à vendre? Casque de pointe d'os. Fureur intérieure. Tant que la rage vous habite, les créatures hostiles dans un rayon de 3 mètres doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse sous peine de subir 2 à 8 points de dégâts psychiques. En cas de succès, les dégâts qu'elles subissent sont réduits de moitié. Intimidation plus 2. C'est sympa ça. Et enfin, armure de bronze lune, armure légère, vitalité bestiale de la lune. Vous gagnez 22 points de vie temporaire après avoir lancé forme sauvage. Tant qu'il vous reste une partie de ces points de vie temporaire, tous les dégâts que vous subissez sont réduits de 1. Vous bénéficiez d'un bonus de plus de la classe d'armure ainsi que d'un avantage sur les jets de sauvegarde contre les sorts. Cet effet perdure tant que vous utilisez votre capacité forme sauvage. C'est intéressant ça. Je vais acheter les deux. Je vais même acheter tout ce qui reste. Et ce qu'on fera après, c'est qu'on va lui repiquer son argent. Avec Astarion. Voilà qui me semble pas mal. Penitent blinks, you think? Alors, on va se séparer, tu vas me faire ça. Hop, toi tu vas te mettre en mode je sauvegarde pour commencer.
en mode fufu. On prend juste l'argent. Parfait. Don't linger. If not over, then through. Il est censé être mort, un Bareki d'ailleurs. Alors là, il va mal paguer. Pickpocket operating nearby. You feel the arrow of suspicion pointing your way. Pourquoi moins deux? Ah, sérieusement? Non, non, on va relancer là, un échec critique. Et un succès critique derrière. Ok, sinon... Donc là, il y a un passage qui mène je ne sais pas où. On essaiera de le prendre plus tard. The penitent looks at you silently. The penitent doesn't respond. The penitent doesn't respond. The penitent doesn't respond. Et on s'en va. D'ailleurs, en termes d'argent, 18K. Oui, mais Astarion, lui, doit porter un max de pognon aussi. À 4K. Donc on a 22 000. C'est propre. La sauvegarde auto. Dague, parchemin. D'accord, tu devais être un assassin. On va avancer. Troisième strophe de Morne Sombre. Le pour Elkan, trahi par Gromir et pour Faucheur de Balles qui répand sa bonne parole. D'accord. Tout le monde a raté. Engager le combat. Ok, c'était ça. Une embuscade. Très loin. Over here. Qu'est-ce que c'était que ça? Ok, il y en a qui ont perdu l'état invisible. Ah, t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Ça commence à être pénible. Ça commence à être sacrément pénible.
Ça, je peux pas. Par contre. Est-ce que j'aurais pas. Amitié, amitié, invocation d'élémentaire. Je suis trop loin. On va regarder si on peut pas faire un sort offensif via un parchemin. Voilà. Voilà, ça, ce serait très bien. Voilà, les gars. Mais tu vas pas rester invisible longtemps. Toi, tu vas venir là. C'est raté, c'est dommage. Toi, tu vas venir là. Tu vas me tenter un lancer. On est trop court. Faut qu'on se rapproche. Là, ça devrait le faire. 25-25. Une chance sur 4, ça passe. Ok. Contre-sort, orbe chromatique. Ouais, tiens. Échec critique. J'ai pas ma foulée. Dans ce cas, ce qu'on va faire. Voilà, là tu commences déjà à y prendre, mon gars. Allez, il y en a un qui passe. Tir perforant, non. Je pense que tu vas mourir. Oui, c'est exactement le cas. Light on my feet. Du coup, tu vas venir ici. I don't fancy their chances. Toi, tu vas venir là. Paf. Tu vas boire une petite potion. T'en as pas. Tu vas quand même lancer ta lance, on va dire ici. Ça a affecté personne. Orbe chromatique encore. Ok. Et on avance pour sortir des flammes. Oui, mais toi, à un moment donné, il faudra bien que tu sortes.
où on se rapprochera suffisamment de toi pour t'achever. Ok, il y en a un qui est tombé. Ah, les deux sont tombés. Parfait. Vous pouvez pas espérer mieux. Donc on avance. Let's light them up. What should I do? Je te vois toujours pas, donc on va rester là comme ça. Est-ce qu'il y en a encore deux là-bas? Ici, plus exactement. Quand je dis là-bas, c'est là-haut. Coup critique. Je pourrais faire ça. Inarrêtable 2. Hop, tiens, viens te cacher là. Alors toi. Inarrêtable 1. Voilà, tu peux me faire ça. Qu'est-ce que je pourrais balancer? Ah ouais, ça pourrait être bien ça. Ça rate. L'autre il est là. Je vais m'avancer par ici. Comme ça, l'autre il sera obligé de bouger. Ok, ça vient au cac. Les autres, c'est des tireurs. Ouh, encore un de plus. Bah, tu vas te prendre des chocs. Jolie critique. Ok, ça passe, c'est plutôt pas mal. Lui, je sais pas ce qu'il fait là-bas. Et toi, tu vas peut-être essayer de passer par là. Alors, toi, en revanche. Parfait. Tu vas venir ici. Tu vas servir d'appât. Yes, 400 points. De toute façon, je crois qu'on est au niveau max. Hein. Il me semble bien que c'est 12. Hein. Très joli. Sur Astarion, il évite encore. Oh là là, trois évitements, magnifique. Par contre, maintenant, c'est à moi.
toi pour t'affaiblir. Parfait. Alors toi tu vas faire comment, je sais pas trop quoi. What? Ok, alors mon gars, on va être obligé de t'apprendre un peu la vie à toi. Hein. Cible est trop éloignée. D'accord. Chemin interrompu, chemin interrompu. J'ai pas compris ce qui s'était passé là. Hein. Ok, donc on va s'avancer jusque là. Je suis toujours trop court. Je peux peut-être être bon pour cela là. Yes. Allez, moins deux. Oh, c'est pas vrai, il y en a encore trois de plus. Bon, bah faut que Narev y gère tout seul. Hein. Et on ira raise nos amis après. Si tu veux. Du coup, on a besoin de venir ici. Est-ce que là ça marche? Oui. On va bombarder. Quatre tours. Eh ben, fin de partie. C'est bien la première fois qu'on a ça. Donc on va retenter. Hein. Ok, on est reparti. Par contre, cette fois, on fera les choses différemment. Tout le monde rate. Encore. Ok, lui, il faut qu'on s'en occupe. Alors, ce qu'on va faire. Normalement, il doit te rester un parchemin. Tu dois avoir des parchemins. Tu vas prendre un parchemin de vol. T'en as, tu dois en avoir un paquet puisqu'on ne les utilise jamais.
lancer le sort. Astarion sur toi-même. Voilà. Let's go. Ressources insuffisantes. Sérieusement? Voilà, tu on va faire ça. Tu vas également me faire ça. Tac, 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 j'aimerais en retrouver un. Non, tu me fais pas ça. Parchemin d'invisibilité supérieur. Mais je peux pas l'utiliser évidemment. Par contre, je peux boire. Je peux pas la lancer non plus. Ok. Ok, toi. D'accord que t'es beaucoup trop loin, encore une fois. Bah tu vas faire la même chose. À moins que foulée brumeuse, 18 mètres. Même. Une vitesse de déplacement. J'aurais pas assez. Ok. Alors, Gail. Foulée brumeuse, ça le ferait pas. Hein. Ça va pas le faire, ça. Ah, si, ça le ferait. On va pouvoir utiliser ça. Et du coup, derrière, on va balancer 64. Là, ça touche 95. Ouais, tu vas venir là.
Grande foulée. Voilà, histoire 2. Ça s'est raté, c'est pas grave. Oh, sérieusement. Ça rate. Invisible. Et normalement, ils peuvent pas être invisibles vu que je les vois. Dommage. Par contre, ce que je peux faire. Provoque une attaque d'opportunité si tu veux. Voilà mon gars. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux en rebalancer un. Ouh, à moins que je puisse balancer ça. Peut-être un fracassement. Non, ça fait pas assez. Ça, c'est pas mal. Alors, ici. Ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? ?64. Ça, c'était pas mal. Alors, toi ici, du coup, tu vas me faire ça. Ça, c'est joli. Là, tu rates. Bon, alors celui-là, on va s'en occuper tout de suite. Voilà. Ok, il est réglé. Maintenant, celui de ton pote. Ton pote, il est réglé. Il va en rester un par ici. On va le forcer à se déplacer déjà. Don't linger. On va se déplacer. Est-ce que je peux voler là? J'ai plus assez de possibilités. Flèche de feu.
Alors. I'll strike you down. Châtiment divin, oui, cette fois. Voilà, le tueur lointain, il est mort. Donc on devrait être à peu près tranquille. Faut frapper, voilà, s'il te plaît. Ici, est-ce que je peux envoyer quelque chose? Non. Bon, on va se déplacer alors. Toi, qu'est-ce qu'on pourrait... Il doit être par là, là, hein. Peut-être que tu pourrais lancer. C'est raté. On va le faire se déplacer alors. Ah oui, par contre, non, c'était pas forcément la bonne idée. Parce qu'on sait qu'il y en a d'autres dans le coin. Tu veux pas? Voilà mon gars. Maintenant qu'on t'a vu. On arrive ici maintenant. Que le combat est terminé. Pourquoi tu viens là, toi? On me dit que c'est bon. Ah bon? Alors là, c'est curieux. Ok, là on est mieux. Du coup, on va sauvegarder quand même. Hein. C'est vraiment très bizarre. Fouiller quand même ici. Somme de poids cassé, rien d'intéressant. Ok, on va monter à l'échelle. Je sais qu'il y en avait en haut. Vraiment très étonné. Il y en avait ici aussi. Hein. En bois là-bas, tiens donc. Oh, qu'est-ce qu'on a? Élixir de résistance psychique, mucus rampant. Ça c'est pour Astarion. Malice.
Astarion. Comme un mauvais oeil. Très sympa ce petit coffre. On dirait que les autres ils ont disparu quand on a buté le... celui qui nous tuait nos compagnons avec ses marques. On a déverrouillé la porte ici. Réellement très curieux. Bah, du coup, on va pouvoir avancer, hein, je pense. Je pense qu'on a fait le tour ici. Un coffre en bois ici. Ok. Bah, faut me prendre le parchemin alors. Hein. Curieux, alors ça non, dis-moi ce que c'est. Cette lettre tachée de sueur semble inachevée, peut-être n'a-t-elle jamais été envoyée à mes frères et sœurs de sang. Je deviendrai Luc l'étrangleur, fils de Baal. D'accord, bon. Ou pas, tu deviendras peut-être rien du tout. Une petite sauvegarde. J'aimerais bien qu'avant Aurine on fasse un petit repos court. The Lord of Murder shall perish. Ok, je pense qu'on y est là. Hein. Ouais, je pense que c'est son lieu à elle. Hein. Du coup. Encore un petit peu. Puis on va se reposer. Alors déjà, non, avant de se reposer. No time to dally. Charge de restauration. À niveau 1. Which way to the nearest library? Je peux faire que ça, niveau 1 aussi. Bon bah voilà. Après on doit avoir peut-être des élixirs arcaniques quelque part. Potion de vol, ça c'est bien aussi. Hein. Culture arcanique supplémentaire de niveau 1, de niveau 2. Je sens de la pile en deux. Celui-là, c'est en broker. Niveau 4. C'est pour Gail, les deux. Vous et vos alliés récupérez un nombre de points de vie égal à votre valeur de constitution. Et 16 en constitution, ça peut être pas mal, hein. Alors. Normalement, tu dois avoir des potions quelque part, là. Salutations. Gail.
n'était pas censé en récupérer deux. Non, t'en as pas récupéré. Ah non! Ah, je me suis trompé. Ça me donne juste un emplacement de sort supplémentaire. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, c'est gaspillé, mais c'est pas grave. On va venir par ici. Sauver la victime de Rin. Où est-ce qu'on va là? Je suis pas sûr que ce soit la bonne direction. C'est pas ça qu'on veut, hein. C'est pas le squelette vénérable. Le squelette. Le cerveau vénérable dont on veut se charger tout de suite. Hein. C'est Orin pour commencer. De toute évidence, c'était pas par ici. Donc on va venir par là. Ça va être ici, là, derrière cette porte. J'aurais pas dû faire mon repos court tout de suite. J'aurais dû encore attendre. Chaos will be sown from their passage. Par ici, oui, c'est faisable, par là. On va y aller. Point de passage découvert. Ah, il y a un coffre là. On va aller récupérer le coffre. Voir un peu ce qu'il y a dedans. balles. Est-ce que ça valait l'effort du déplacement? Ouais, c'est discutable. Sauvegarder. Ouais, je pense que là on avance bien. Ok, là on peut plus sauvegarder. Ah, on peut plus faire de repos. Donc on a bien fait. Ah, va y en avoir ici aussi, j'en vois. Il va y en avoir partout des pièges. Là-bas, j'ai oublié un coffre. Be careful. There are traps about. Voilà, ça nous évitera d'arriver déjà affaibli au combat. Ok, c'est pas mal tout ça. This place is more
Ok, encore deux ici après. Ok, nickel. Ah, le petit dernier. Quand on est en confiance. Pourquoi ces bougies là? Ok, on est bon. Narelle, tu reprends le lead. On va refaire une petite sauvegarde pour éviter de refaire tout le pont et son désamorçage. Stone seals this chamber against the world. The Baal amulet trembles in frightened awe. C'est raté. C'est pas grave. Will you return once you cross this threshold? Oublier, ensanglanté, une inspiration. Parfait. Bon, là on continue à gagner des points d'XP, mais on est déjà au max. Hein. Ok. Temple de Baal. Why must the dead three be so obvious and ugly with their decor? Blood and bones. Are the gods truly this petty? On va refaire une petite sauvegarde. Et je suppose que Corinne, elle doit être au centre. Ouais. Sauver la victime. Nous avons rejoint la victime. À l'écouter à un hôtel, nous allons devoir faire très attention en nous approchant. Ah oui, effectivement. J'ai pas le choix là. Invisibilité suprême peut-être. Sur Astarion, on va tenter ça. On va sauvegarder de toute façon. In the bond, sweet meat. Baal does not crave the taste of bait on his altar. He wanted your flesh, dripping with the tyrant's pain, coated in the bone lord's ash. But you have failed him. Your murder should have been exquisite. A crypt-born effigy to greet Baal's bleeding dawn. And now it will be nothing. Come to me, Father. Set my flesh to your unholy purpose. Oh. Ok. Ah,
Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi ces trucs? Faucheur. Embuscade terrifiante. Forme de ravageur, inarrêtable. Impossible sanctuaire. Ok. Alors comment on va faire tout ça? Ok, ça c'était bien. Ça c'était bien aussi, tu vas venir là. Lacération et tu te foires. Ok, ça va être à moi. Donc évidemment, tu vas te rapprocher au max. Inarrêtable, tu viens d'en perdre 3, c'est très très bien ça. Potion de vitesse léthargique. On va encore attendre. Allez, tu vas t'attaquer à qui? À moi? Parfait. Non, pas parfait du tout. Au contraire. Ok, alors ce qu'on va faire, nous ici, c'est qu'on veut que tu perdes ton inarrêtable. Donc, ça commence très bien, paf. Lenteur, tu m'envoies un contre-sort. Ici, inarrêtable encore. On assure le coup, on va assurer le coup. Ok, à partir de maintenant, il va prendre des dégâts. Et tu vas venir ici. Don de balle. Sanctuaire. À chaque fois, il a sanctuaire. Je peux rien faire contre ça. Par contre, ce que je peux faire. Voilà, 400 points d'XP de prix. Et là, on va commencer à tailler dans le gras. Ah, t'étais encore inarrêtable. Bon. Possible de lui faire du mal, ressources insuffisantes. Action. Impossible. Qu'est-ce que je peux faire? Let's get this over with. Ah. Ok, ça c'est fait. Ok, tu prends quand même quelques dégâts.
Pour l'instant, je frappe. C'était pas foufou ce que tu lui as fait là. Ça c'était mal hein. C'était très mal ça. Javacon élémentaire. Frappe hivernale, vapeur curative, trident explosif. Descendre. Là on est bien. Ici, tu vas nous faire quoi? Inarrêtable 3. Ça, c'était pas fou. Du 4, du 5. Le trident. Ça nous fait une présence supplémentaire. Saveur de l'inarrêtable. À chaque fois. Inarrêtable 7. Une action d'être plus rapide, on va faire ça. Ok. Ah, ce coup-ci, il va y prendre. Ce coup-ci, je veux qu'il y prenne. C'est pas suffisant. Alors, toi, par contre, frappe calcinante. Voilà, tu vas prendre de la brûlure. Lacération. Ça rate, je suis dégoûté. Supplémentaire, il me faut des emplacements. Voilà, là tu viens de prendre très très cher. J'aurais dû utiliser ça, le vœu d'hostilité direct. Attaque à boire une petite potion. Oh, très très joli ça. Avec le coup critique. Ouh, ouh, oh là, il a pris cher. Bon, là ça rate, dommage. Oh, magnifique. Ah, les attaques d'opportunité qu'on fait tellement mal. Du coup, maintenant Corinne est morte, nous allons enfin pouvoir voir si sa victime va bien. Bah, j'espère que oui. Mais non, parce que j'ai encore tout cela à buter. Impossible. Impossible. Ok.
to let up. Toi, tu vas venir là. Parce qu'il y a toujours cette histoire là. Voilà, on va faire ça comme ça. Parce que pénible ces gens. Toi. Tant pis hein, si on peut pas les looter. Ah, là c'était raté, dommage. Frappe de cendre. Tu vas venir là. Ah, ça y est. Là, c'est terminé. Mon sanctuaire. Oh là là, mais elle prend le tarif. Donc au prochain tour, ils sont tous morts. Sérieusement ? Ok, du coup tu peux venir ici. Oh, on aura bien cogné là quand même. Bah ici. C'est raté. Quel dommage. Sérieusement ? Tu rates à ce point là. Voilà, ça c'est très bien. Non, non, t'y vas au cac. Encore, très bien. Réfléchir à votre technique, vous auriez pu faire mieux. A glint of light on something in the blood catches your eye. A netherstone. Only one left to slaughter now. It's quite the habit we're building. Find Gortash and take his netherstone. Ok, on aura enfin tué Orin. Enfin. Oh, et Yena va bien. Eh ben, je pouvais pas espérer mieux. She killed Grub. I don't like it here. I'm going home. Oui, oui, rentre à la maison. Pendant ce temps, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça vaut combien ces trucs-là? 65 balles. C'est pas foufou. Hein. Ah non, tu l'envoies au camp.
Attendez, attendez, j'ai fait une boulette là. Alors, soif de sang, d'accord. Censé pour Astarion, ça. Allez où mon épée là? Pas mal barde. Voilà, elle est toujours pactée. Arme de pacte, oui. Ouf, j'ai eu peur d'avoir fait une boulette. Une grosse boulette, mais c'était pas le cas. Alors, on récupère ça. Franchement, ils avaient pas grand chose sur eux. Hein. Au camp. Tu ramasses, t'envoies au camp. Ah, 250 balles. La clé de l'hôtel. Malice écarlate. Légendaire. C'est une épée courte. 12-26. Sauvage réduisant quand vous portez une attaque en bénéficiant d'un avantage. La cible subit 7 points de dégâts perforants supplémentaires. Oh! Tu envoies ça à Astarion qui sera très 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 content de l'avoir. C'est quoi ça? Ok, bon, c'est nul. Tu veux pas la ramasser, d'accord. Armure en cuir clouté. Tu l'envoies au camp. Je crois que c'est bon. Hein. Toi, t'avais rien. Toi, je t'avais pas fouillé. Ça part au camp. On ramasse. Allez. On a pas mal de choses encore à fouiller dans le coin. Mais Aurine, c'est fini. Voilà, là tu te sens un petit peu mieux et tu vas me boire. Je dois avoir des petites potions, voilà. Là on est bien. Parfait. Need to keep going. Still breathing, despite everything. How much farther can I go? On va venir ici. Peut-être des choses à trouver. Oh là là. Quelle horreur. On va aller au camp et ça tu ramasses. Ça on prend, ça aussi, les deux balles. T'es encombré alors que je l'ai envoyé au camp l'armure. Hein. Du chaos. Allez, on prend tout ça. Oh, un coffre. Verrouillé. Elle avait pas sa clé. Watch your back. Hardly a challenge. These things have stayed interesting. On va pouvoir ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un crâne, ok. Les envies de sang des indignes, c'est nul. Astarion. Voilà. Oh, clé du coffre d'Aurine, tout simplement. Elena, la mère d'Aurine. Elle est sérieuse.
On pourrait lui parler, mais bon, vu Corinne est morte. Ok. Non, je pense qu'on a fait le tour ici. On va pouvoir remonter par ici, puisque on n'avait pas exploré. Ah oui, faut pas se battre. Hein. Vous avez pas envie de vous battre avec moi, plus maintenant. Ouais, je sais pas qui tu étais. On va prendre au cas où. Ça déclenche pas de quête. Encombré, pourquoi je suis encombré? C'est pas un bouquin qui m'a encombré quand même. Ah, mais je suis à taille humaine maintenant. Ah non, toujours pas. Bah alors pourquoi? On va envoyer ça au camp, normalement c'est bon. Moi j'ai quand même beaucoup de choses qui pèsent un petit peu, faudra que je m'en départisse. Tiens. En broker. Également des petites choses là à vendre. Alors qu'on vende tout ça. Et là on arrive. À notre point de départ. On va quand même venir ici, hein, histoire de tout explorer bien comme il faut. Voilà, ça valait le coup, hein. Ne serait-ce que pour la potion. Oh, pile de parchemin. Tiens donc. Non. Dommage. Il y aurait pu, hein. Non plus. Oh, y aurait-il un passage ici? Il y a un passage, effectivement. Une caisse. Un fiole d'acide, sans façon. Ah ok. On a pu arriver par là. D'accord. Chambre de l'élu. Temple de Baal. Eh ben je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir ressortir du temple. Juste là, là, il y aurait peut-être eu quelque chose. Allez, le pont. Ah oui, c'est vrai qu'on peut passer de l'autre côté maintenant. On va venir par ici. Et descendre récupérer le coffre. Paf, plutôt intéressant ça. Ben, je pense qu'on est plutôt pas mal. Évidemment, on a tout ce coin-là à faire après. Mais la cité des tréfonds, ça m'a l'air d'être bien. Hein. On va pouvoir enchaîner sur d'autres choses. Voilà, comme trouver Elsic, détruire la fonderie de la garde d'acier, trouver le palais de Cazador. Ah, on pourrait faire ça dans le prochain épisode. Enfin s'occuper de Cazador. Quête accomplie, ok. L'offre de Gortash. Le cerveau vénérable, pas encore, la fille des ténèbres. On est loin d'avoir terminé ça. Ça, en l'occurrence, c'est fait.
Bon. Bah, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est retourner au camp. Voilà, parfait. Et là-dessus, eh bien, on va arrêter cet épisode qui nous aura vu vaincre enfin et une bonne fois pour toutes Aurin. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi tout au long de cet épisode de Baldur's Gate 3. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, oui, vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.